Et salut tout le monde, c'est X-Rouge et aujourd'hui on se retrouve pour le test gameplay découverte de Assassin's Creed Mirage sur PlayStation 5. Édité et développé par Ubisoft, sorti officiel le 5 octobre 2023, et Peggy nous le déconseille au moins de 18 ans. Moyenne agréable, bien que je lui aurais mis légèrement plus, de 15,5 sur 20, sur Metacritic. Sans plus attendre, direction le menu avant de rentrer dans le vif du sujet. Dans votre sacoche, vous aurez différents consommables collectibles qui annoncent aussi une nouveauté. J'y reviendrai juste après. Vous avez ensuite la tenue, que vous pouvez porter et même transmogriffer pour appliquer des skins, avec bien sûr un principe de leveling. On repart certes sur un back to basics, mais on n'achète pas une meilleure arme, on va encore les augmenter comme les nouveaux Assassin's Creed. Et en parlant de transmo, ouais, j'ai décidé de le faire avec vous. La tenue qu'il a quand même dans Valhalla, Basim est beaucoup, beaucoup plus classe. J'ignorais qu'on pouvait mettre des sortes de charmes dans le dos. Très classe. Mais on va faire le gameplay avec cette tenue, clairement. Comme je le disais pour les armes, on peut les upgrader avec des consommables, des collectibles à récupérer sous diverses missions. Mais on n'est plus comme dans les premiers Assassin's Creed du nom, on n'achète plus une nouvelle arme pour remplacer la précédente, qui devient donc obsolète. Par la suite, voici donc la map. Qui dit Assassin's Creed dit forcément open world. Vous allez donc avoir une map qui est quand même plutôt grande. La vastitude de celle-ci ne laisse pas à désirer. Je trouve qu'il y a de belles parcelles qui méritent le coup d'œil et qui vous feront même prendre un léger temps de pause pour peut-être même sortir le mode photo intégré au jeu. Comme le montre la légende ici présente pour appuyer mes propos, la map est plus que fournie. Qui dit Assassin's Creed Mirage dit retour aux sources. Le jeu se veut être plaisant pour les puristes de l'ancienne génération et les aficionados de la nouvelle génération depuis Assassin's Creed Origins. Rappelez-vous des enquêtes, l'époque avec Altaïr qui devait interroger des gens, récolter des informations, filatures, pour enfin arriver à la cible mère et l'assassiner. On repart sur la négociation scénaristique connue des premiers AC du nom, et c'est plus que plaisant. Pas de spoil pour ce test gameplay découverte, je vais donc partir sur une mission du tableau des contrats qui me ramènera des consommables et donc qui me fera quand même avancer et prendre une certaine aisance pour progresser dans ma quête principale. Il s'agit d'une mission d'assassinat et vous allez voir donc de quoi il en retourne. Une femme espionne et donc informatrice pour la cause rebelle est prisonnière de l'ordre. On doit donc aller la libérer et assassiner les opposants. Comme vous pouvez le voir, graphiquement, Assassin's Creed Mirage tient clairement ses promesses. Il est plus que beau, malgré quelques clippings et des problèmes de temps en temps de caméra, on ne saura trop s'en soucier. Et par contre, un point à montrer, il peut nager. Certes, le jeu se passe avant l'épopée d'Altaïr, se déroulant en 1191 durant la troisième croisade à Jérusalem. Altaïr, ne sachant pas nager, il était naturel pour moi, la première chose que j'ai faite quand j'ai découvert le jeu, est-ce que Basim, lui, peut nager? Le jeu, lui, se déroule 11 ans avant les péripéties de Assassin's Creed Valhalla. Nous sommes en 861, contrairement à 872 pour l'épopée de Eivor. Nous incarnons donc Basim Ibn Sahad, que l'on avait déjà rencontré dans Valhalla, mais no spoil, vous savez sûrement de quoi il en retourne si vous avez terminé le précédent opus. Le jeu pourra vous surprendre par sa capacité à vous perdre, et c'est une très bonne chose. Par vous perdre, j'entends ne plus savoir où donner de la tête avec toutes les missions annexes et objectifs tiers qu'il peut y avoir durant votre parcours point A, point B. Effectivement, vous serez sans doute surpris que des PNJ apparents, subtilement, vous demandent de l'aide pour telle ou telle mission, ou que vous soyez juste attiré par la surbrillance d'un coffre à aller dérober dans un endroit très bien gardé. Comme ce qui a l'air de clairement se passer pour moi. Qui dit garde dit richesse non loin. Hé, bingo. Et en plus, j'ai directement accès au coffre. C'est parfait.
je radote assez souvent sur le fait que l'on est sur un back to basics, on revient aux sources. Rappelez-vous de quelque chose que l'on pouvait faire dans les premiers Assassin's Creed du nom, dérober des objets, voler des choses. Il peut y avoir donc dans les parages des habitants équipés de bourses attachées à leur ceinturon au niveau de leur dos. Il suffira donc d'appuyer en format QTE au bon moment pour leur dérober leurs biens. Et ça, c'est assez drôle. Si j'en croise un, ils ont pas l'air d'en avoir. On en croisera un avec le temps, mais je vous montrerai la petite animation parce que bon, faut pas passer à côté de ça, ça reste une nouveauté. Quand je parlais des nouveautés, rappelez-vous au tout début, j'ai dit que j'allais y revenir plus tard quand on visitait la sacoche de Basim. Vous avez donc des jetons, des monnaies d'échange. Rappelez-vous dans le Assassin's Creed deuxième du nom, quand Ezio pouvait engager des courtisanes pour distraire des gardes et passer sans se faire repérer. Certains jetons sont à donner à des marchands qui vous donneront des indices beaucoup plus cruciaux pour avancer dans votre enquête très rapidement. Des jetons sont à donner aussi à des mercenaires, des jetons de guerre, pour faire une sorte de distraction ou vous aider dans une mission. Différents types de jetons, différents types de possibilités, on vous donne clairement un pouvoir supérieur dans cet opus-là pour négocier la mission comme vous l'entendez. Toi, tu dégages, ça t'apprendra à vouloir tirer des flèches dans mon aigle. En plus de la vision de l'aigle autour, vous pouvez donc contrôler, ça on le sait depuis quelques Assassin's Creed. On mélange en fait ancienne génération, nouvelle génération. Ubisoft l'a dit, ils ne s'en sont jamais cachés. C'est un opus pour essayer de plaire à tout le monde, comme l'avait fait un petit peu Square Enix avec son 16e opus de Final Fantasy. On repart sur des choses qui ont plu autant à la précédente génération qu'à la nouvelle. Voilà, l'autre ne remarquera pas. Toujours la possibilité de siffler. Viens me faire un câlin. Et voilà. Bon, ça va. Personne autour. On peut continuer. Une grande profondeur et liberté vous est donc donnée dans l'acquiescement et la gestion de votre personnage. Vous pouvez jouer l'histoire vraiment comme bon vous semble. Être un gros bourrin, être un gros discret, quoi qu'il en soit, vous allez pouvoir arriver à terminer la mission comme bon vous semble. Et c'est vrai que des jeux qui laissent un choix assez prépondérant sur la finalité scénaristique, comme des Hitman et j'en passe, se font quand même un petit peu rares dans le monde vidéoludique. Et c'est quand même une très grande force de la part de Ubisoft et de la licence Assassin's Creed de nous permettre ce genre de possibilités. Voici la nouveauté. Vous vous rappelez des kills que vous pouviez faire à la suite une fois que vous alliez tuer quelqu'un dans les premiers Assassins ? On a mixé un peu les deux en le rendant futuriste. Une TP qui vous permet de flinguer. Bon, moi pour ma part, je l'ai amélioré jusqu'à 3 personnes. Vous allez commencer avec 2. Mais vous pouvez vous TP pour flinguer des mecs sous une sorte de bullet time et TP d'Animus. Donc c'est plus que sympa. Je l'ai pas touché. Oh. Faut qu'il y ait bien le logo au-dessus de sa tête. Et voilà. On a sauvé la concubine. Il s'est déjà réveillé, lui. Attaque concentrée de la part de l'adversaire, il sera surbrillant rouge. Vous ne pouvez pas la parer, vous êtes obligé d'esquiver avec la touche carré. Si vous pouvez parer, ce sera la touche L1. Pour les ennemis physiquement imposants, obligés de se mettre dans le dos pour pouvoir leur faire des dégâts. Vous le savez sans nul doute si vous connaissez bien la licence, la carrure des adversaires répond à une certaine maîtrise et à une méta, une appréhension pour pouvoir en venir à bout. Les ennemis physiquement imposants sont donc forcément plus puissants que les ennemis maigres. La grandeur, la taille, la grosseur est une information plus que capitale pour savoir si l'ennemi que vous aurez en face sera dur ou pas à négocier.
Je regarde s'il y a 2-3 petits trucs à prendre, et ensuite... De toute façon, il suffit de se barrer. Hein. Ça reste ludique, c'est intuitif. L'objectif est montré quand même en gros, il faudrait être aveugle pour passer à côté. Néanmoins, un point négatif, parfois l'objectif, malgré le fait que vous le montriez carrément, que vous le choisissiez, que vous décidiez de suivre l'objectif, eh bien il ne s'affichera pas sur votre boussole en haut de votre écran. Vous allez être obligé carrément de mettre un marqueur dessus pour qu'il puisse... pour qu'il daigne s'afficher. Et c'est très très bizarre en fait. Il serait temps quand même de faire... une sorte de mise à jour, un petit hotfix pour juste régler ce problème, car ben vous êtes amené à faire de nombreux retours à la carte pour savoir où vous êtes dans la ville. C'est assez quand même handicapant et ça casse la dynamique du jeu. En parlant de dynamique, un cycle jour-nuit est disponible dans le jeu. Et ça restera toujours bien sûr une information et une qualité non négligeable pour forcer l'immersion. La mission est terminée, je vais quand même faire la chose la plus emblématique à faire dans un Assassin's Creed, repérer un point culminant, escalader pour faire un peu de parcours, et faire le fameux saut de la foi. La transition est quand même très space, on n'est pas dans un Animus, mais là, il faut savoir que Basim est hanté par un djinn qui ne cesse de le tourmenter. Et on voit le monde un peu lugubre dans lequel il est quand on passe d'une map à l'autre en mode transition. Ça m'a offert en plus une information de plus. Même une information dans les tableaux de contrat peut vous apporter une information qui pourrait être capitale pour la détection de la future cible à buter. Qui dit cible à assassiner dit forcément le petit coup de la plume pour imprégner le sang de la victime et la donner à votre mentor. Dans les différentes cachettes des assassins. Enfin, pas des assassins. À cette époque, on les appelle ceux que l'on ne voit pas. Ou du moins ceux que l'on ne peut voir, ça dépend des versions. Tout dépend si vous avez le genre en québécois ou en français. Personne n'a de bourse, c'est horrible. J'ai envie de vous montrer ce moment en QTE. Personne n'a une bourse à être de... qu'on puisse la dérober. En tout cas, le sound design est incroyable, les musiques sont super entraînantes durant les combats, bien choisies en fonction des événements. Non, vraiment, ce sont quand même des points capitaux non négligeables et qui forcent l'ajout de points positifs pour sa note finale. Mais ça, on sait depuis déjà 2007, année de sortie du premier Assassin's Creed, qu'ils maîtrisaient déjà leur sujet déjà à cette époque. Ce n'est pas en 2023 qu'on va leur faire la leçon. Vous voyez, je cherchais un point culminant. Et là, il y a un petit truc doré là qui apparaît sur ma map. Je vais voir ce que c'est. Par contre, il est beaucoup trop classe avec sa tenue. Il n'est pas censé l'avoir maintenant, il est censé la gagner avec le temps. Mais beaucoup trop beau. Basim, en plus, je l'appelle Basim ou Basim, ça dépend, je hachure parfois. Mais il a opté pour une tenue blanc et bleu. Et moi, pour moi, les assassins, c'est blanc et rouge. Je ne rappelle pas ton visage, mais tu portes notre marque. Je suis Naji, l'un des informateurs de Mentor Rayan. J'ai demandé une tâche plus difficile, mais peut-être ai-je eu tort. Décris-moi plutôt l'affaire. J'ai suivi deux gardes corrompus jusqu'au lieu où ils se font graisser la patte. Mais je doute de venir à bout des deux. Beau travail jusqu'ici. Ensemble, nous allons terminer le travail. Suis-moi. Heureusement donc que la tenue de Valhalla me propose ce mix blanc et rouge. Je vous l'ai dit, on est happé par une mission comme ça qui m'est arrivée sur le coin de la gueule alors que je me rendais vers un point culminant pour continuer ce test. Mais non, je suis pris d'engouement à aider un novice de la confrérie pour qu'il accomplisse... avec succès sa première mission. La fenêtre d'esquive est assez grande. La fenêtre de parade l'est bien moins. Bien entendu, réussir une parade vous permet d'exec votre adversaire. C'est pour ça qu'il faut un petit peu... se la gagner un peu. Faut se gagner sa croûte un peu. Oh, quand même non, t'as réussi à tuer, soyons cléments. Avec un peu plus d'entraînement, tout ira bien, tu verras.
Tu manques tout simplement d'un peu d'assurance. Tu le penses vraiment ? Oui. Rares sont ceux qui réussissent brillamment du premier coup. N'abandonne pas. Merci, Basim. Je vais aller rendre compte à Mentor Rayan et voir ce qu'il en dit. On pourra dire ce qu'on veut, mais Basim a un sacré flow quand même. Un sacré, sacré flow. Je crois. Parfait. J'ai assez vadrouillé pour trouver un point culminant. Où est-ce qu'il se trouve ? Ah, j'arrive pas à voir son sommet, mais je suis un peu loin. Y'a pas une bourse dans les parages ? QTE réussi. Voilà, vous voyez comment on dérobe. C'est assez plaisant. Parfois, on peut tomber même sur des gens qu'il faut détrousser, car ils ont des objets que les revendeurs vous demandent et qui sont clairement nécessaires pour pouvoir débloquer et améliorer votre personnage. Donc, le vol n'a pas été codé que par hasard. C'est un point assez crucial pour permettre une avancée plus qu'aisée. Et puis des techniques pour tuer, quand vous prenez de la vitesse et qu'il s'appuie sur le gars pour s'élancer dans les airs et redescendre avec sa lame secrète. Fantastique. Et ce qui est cool aussi, c'est que l'on incarne un assassin qui a l'annulaire coupé. La fameuse tradition des assassins pour laisser passer la lame secrète, même si le poing doit être fermé. Alors, le point... Oh, mais je suis en train d'en faire le tour, en fait. Alors, on va chercher par où escalader. Il n'y a aucune prise, c'est ultra haut. On va rentrer, on va sûrement trouver quelque chose. Parfait. C'est tellement un kiff à chaque fois l'ascension. Je trouve ça vraiment génial. Quoi. Ah, c'est la première fois que je suis sur une croix pour un point de synchronisation. Et c'est ainsi que toutes les informations après s'afficheront sur ma map. Quel kiff. Oh là là, c'est tellement jouissif. Je n'ai jamais... Bref, voilà, je pense que je ne vais pas montrer davantage, si ce n'est, j'ai parlé quand même de la map et de jolis spots à voir qui pouvaient un petit peu nous surprendre. Je vais aller dans un endroit que j'ai trouvé fort sympathique à parcourir à dos de chameau, le désert. Je vais juste voir s'il fait jour ou nuit. Parce que là, quand même, on était fin de journée, il faisait déjà assez sombre. J'aimerais au moins vous montrer avec la lumière ce que ça donne. Il fait toujours nuit. Ce point culminant est très très haut d'ailleurs. Oh là là, on ne peut que davantage profiter du saut de la foi. Le son de l'aigle qu'on entend quand il fait son saut, ça a été pendant très longtemps ma sonnerie texto. Voilà. Faites ce que vous voulez de cette information, ça avait absolument rien de pertinent, c'était... Voilà. C'est une info comme ça. Je vais essayer de trouver... Si vous trouvez un siège, en fait, vous savez, pour vous fondre dans la masse, eh bien, à ce moment-là, vous pouvez faire des sortes de time-lapse. Mais il faudrait que j'en trouve un. Oh, j'ai foutu le feu. Pardon, c'est pas moi. J'ai rien vu. Je sais qui c'est, mais je ne dirai pas. Est-ce que je peux faire un timelapse en trouvant un siège ? Ah, dommage, non, c'est que du décor. Et voilà, à dos de chameau, je vais pouvoir vous montrer un petit peu l'ambiance qui y règne. Pour finir sur la beauté environnante.
Hop, on augmente le codex, bien sûr. Donc on en trouve un. Hein. Si on veut platiner le jeu, on aurait plutôt intérêt à récupérer tous les collectibles. Le jeu vous propose de le parcourir de vous-même, soit de vous mettre sur un chemin pour pouvoir aller au galop sans consommer l'endurance de votre monture. Si vous trouvez du coup un chemin qui est bel et bien tracé, ça fera, ce sera moins éprouvant pour votre chameau ou votre cheval, tout dépend ce que vous voulez. Ce que vous voyez en bas à droite, c'est votre niveau de notoriété. Quand vous faites trop d'assassinats, le niveau de notoriété augmente. L'œil, c'est les villageois. Dès qu'ils vous voient, certains vont vous balancer et vont donner aux autorités votre localisation. Vous ne serez donc plus en sécurité. L'arc, vous n'êtes plus en sécurité non plus sur les toits, car des archers rôdent et ces fameux safe spots qui se trouvent normalement en hauteur ne le sont plus. Enfin, les dagues, ce sont des assassins, des guerriers hautement qualifiés qui sont à votre recherche et qui ne cesseront de vous traquer. A savoir que le jeu vous proposera aussi une mission téléchargeable qui reprend l'histoire de Ali Baba et les 40 voleurs. Donc ce sera à vous de le découvrir si vous le souhaitez, si vous êtes un petit curieux. Sur cette dernière information, je vais donc vous laisser, en espérant que ce test gameplay découverte vous aura bien plu. Sur ce, je vous retrouve donc très bientôt pour un prochain test. Portez-vous bien tout le monde, et je vous dis à ciao.